Quel pour 14 ODR 002. Ok, merci pour le retour de micro. Les bonnes 73-51 à vous deux. De la part de 14, Oscar Delta Romeo 002, opérateur Rémi, en push arrêté au sud de Brest. Voilà, c'est mon indicatif local, c'est Dandy 33 pour ceux qui me connaissent sur le sud-ouest. Voilà, là, on est avec ma femme en vacances, là, sur la Bretagne. On visite de tous les côtés, on en a plein les mirettes. Là, vous êtes vraiment dans un joli pays, là. Ouais,
Justement, c'est vrai que là, je me suis méfié. Comme je disais à ma femme, quand un breton dit qu'il fait beau, eh ben, c'est qu'il est en train de pleuvoir. Hachi trois coups. Et là, allez, on va être honnête. On est là depuis mardi. Allez, si on a eu en tout et pour tout une heure de pluie, c'est peut-être un grand maximum. Là, on a vraiment de la chance. Hein. C'est vrai qu'on a vraiment de la chance. On a un superbe temps. Hier, on a pu visiter tranquillement le Mont Saint-Michel. Aujourd'hui, on était sur Saint-Malo. Voilà, et puis là, ce soir, on est sur Brest au sud. Voilà, et puis après, bon, on va continuer là pour demain notre petit périple en longeant la côte, en allant voir les falaises, la pointe de... Pardon, je m'étrangle. La pointe de Rat, là, tous ces coins-là. Et puis après, ce week-end, ce sera retour vers le Cuira. Ok, merci pour le retour. Bon, de mon côté, le signal n'est pas très épais. Hein. Peut-être que je suis aussi là sur un secteur où il y a pas mal de QRM. Voilà, puis pour la même occasion, là, je suis en train de faire une petite vidéo qui sera visible sur le groupe Division 14 EDR, ainsi que le forum des ondes du routier. Voilà, ce sera bien sympa. Et qu'est-ce que je veux dire? L'autre station, oui, est du côté de... Rocamadour. C'est quel département déjà ça, Rocamadour? C'est le 46. Eh mais il est pas très loin non plus du sud-ouest. C'est le sud-ouest, Freddy, c'est le sud-ouest. Voilà, je viens de me recaler sur toi, oui, affirmatif, ben oui. Mais que je suis couillon, hein, des fois, quand je m'y mets. J'y suis allé, en plus, déjà, on s'est déjà allé se promener, là, de ce côté-là. Ah, c'est un très, très joli coin, là. Ah, la météo n'est pas aussi belle qu'en Bretagne. Hein. Ben, je dis ça parce que je suis en ce moment en Bretagne. Mais tu verras qu'une fois que je serai retourné sur la Gironde... Tu sais ce qu'on dit? Chasser le naturel et il revient au galop. J'en profiterai, car je serai loin d'ici. Au moins, je serai sûr de ne pas me ramasser des caillasses. Si je parle mal des Bretons, hachis trois coups. Ouais, affirmatif, 100% QSL. Eh bien, pour ma part, quand je suis pas dans le push, puisque là, comme je disais tout à l'heure, on est en vacances en Bretagne, eh bien, je suis sur l'extrême est du département 33. Alors, je suis dans la diagonale Saint-Émilion-Castillon-la-Bataille. Voilà, on est là-bas, c'est un petit village qui s'appelle Sainte-Colombe. Et bon, ben, je suis installé en fixe également là-bas. Un petit peu mal placé, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, là-bas, avec la propague, peu importe l'endroit, même si c'est dans un trou, ça arrive à passer quand même. Oui, tout à fait, ça arrive à passer, hein, oui, surtout à côté d'une rivière, un étang, un torrent, c'est propice aux ondes aussi, hein. Ouais, voilà, hein. Ben, je vais vous voir pour tout le matin, l'ami José, Joël, là. J'arrive à voir l'ami José qui doit sûrement connaître. Il passe très très fort à chaque coup que je vends dans une région de France, je l'entends, à toi, Rémi. Ouais, je vois de qui tu parles, ouais, bah oui, c'est là qu'on voit les stations importantes, hein, Hachi. Ouais, il a du bon matériel. Ouais, je détaillerai pas là-dessus, mais il a du bon matériel. Voilà, j'entends ce micro.
Ok, j'ai pas tout le QVSL parce que là j'ai une petite montée de QRM là, de mon côté. C'est pas top top top. Bon, j'ai compris que tu parlais des groupes Facebook. Après le reste, j'ai pas tout compris là. Je suis désolé. J'espère que ça va baisser un petit peu de mon côté. Par contre, pour donner un peu plus de jus à la modulation, là j'ai le moteur de la voiture qui est en marche. Alors bon, j'espère que ça passe relativement bien là de ton côté quand même. Ok, d'accord, ok, là ce coup-ci j'ai compris, il n'y a pas de problème. Il y a un autre OM aussi là, qui est sur la Bretagne, qui est également sur le groupe, c'est Daniel. Alors c'est 14ODR064, oui voilà. Voilà, qui lui aussi est monté à quelques jours près également là du sud-ouest sur la Bretagne. Voilà. Hier ou avant-hier? Je sais plus. Hier, je crois. Oui, c'est hier. J'ai à peine entendu 14 ODR 035 Francis. Voilà, qui est plus à l'est, lui, là, de la Bretagne. Je sais pas, tu connais Francis? Ouais, affirmatif, sur Facebook, ça doit être Francis Desondes, si je me souviens bien des pseudos utilisés sur Facebook, Francis Desondes, ouais, je crois que ça doit être ça. Thank you.
Alors j'ai cru comprendre qu'on me retournait le micro. Là c'était vraiment très très QRP là de mon côté. Les bonnes 73-51 à la station de la part de 14 Oscar Delta Romeo 002. Opérateur Rémi, QRZ local sur la Gironde d'Andy 33. Actuellement en push arrêté sur Dunkerque. Brest. Sur Brest Sud. N'importe quoi. Voilà. Et c'est vrai que j'ai pas encore donné mes conditions de trafic. Donc j'en profite pendant que j'ai le micro. Alors pour le poste, là je me suis équipé là pour les vacances là du CRT, la 6900N, qui est habituellement placé dans ma station pour expédition là chez moi. Et côté aérien, eh bien c'est une antenne de push d'1m80, une Sigma Jura 10 PL. Voilà pour mes conditions de trafic. Retour de micro, la station qui vient de rentrer là, qui m'arrive vraiment très très QRP là de mon côté. Ok, d'accord, bah pour l'antenne c'est sensiblement la même chose de mon côté parce qu'elle fait aussi 1m80. Ok, d'accord. Là il commence à y avoir pas mal de monde là en fréquence là. Ouais, de mon côté, ça reste quand même assez QRP. Ah, ça vient peut-être de l'emplacement là où je suis. Hein. Et puis là, bon, je peux pas trop bouger. Qu'est-ce que j'ai là Ah, si, pourtant, je suis assez bien dégagé. Mais bon, peut-être que... Ah, si je connaissais un petit peu mieux la région, j'hésiterais pas à m'éloigner un petit peu, là, à trouver un point, enfin, un côté... T'as déjà essayé de parler, de réfléchir en même temps. Des fois, ça coince. Et c'est ce qui m'arrive là, à la seconde même. Ainsi, trois coups. Non, mais disons que là, je suis en plein dans une zone d'activité.
Voilà, pour tout te dire, je suis là actuellement là, sur un Formule 1, là, justement, là, au sud de Brest. Et c'est vrai que là, c'est pas mal, il y a pas mal de parasites électriques, là, de mon côté. Mais bon, je me débrouille, hein, j'arrive quand même à sortir tout le monde. Attends, là ce coup-ci, là, j'ai eu du mal à te sortir, là. J'ai le signal qui a baissé, là, de mon côté. On dirait que la propagation a fait une petite baisse. Là, du coup, j'ai pas eu Roger, là, sur la fin, là. Quelle était la question, Hachi? Alors, ouf, attends deux secondes, je pose la question, on est où là ici, ça s'appelle? Attends, je pose la question à mon YL en même temps, on sait plus. De toute façon, sur Brest, il y a deux hôtels Formule 1, un qui est au nord, l'autre qui est au sud, un petit peu à l'écart. Ah ça y est, Plougastel, voilà, je suis à Plougastel, voilà, très précisément. Eh bien, comme vous voyez, que ce soit en AM ou en BLU, même sur la Bretagne, il y a du monde. Voilà. Il suffit de chercher un petit peu sur les ondes et on trouve forcément du monde. Voilà. Je vais couper la vidéo là. Nous, on va continuer le QSO pendant ce temps-là. Merci. Bonne soirée à vous tous.